Je m'appelle Gwenaël Giuswick, je suis garde du littoral du site de Saint-Maurice depuis 1999. Je m'occupe pas beaucoup de la Laïta, mais de ce qui se trouve sur les berges, l'ancienne abbaye cistercienne de Saint-Maurice, fondée au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, et un petit peu aussi du bois de Saint-Maurice qui se trouve derrière. C'est une propriété qui fait désormais 123 hectares, qui appartient au conservatoire du littoral, et qui est gérée par la commune de Clohars-Carnoët. Dans le cadre de mes fonctions, j'habite également sur les rives de la Laïta, donc c'est un cours d'eau que je vois de ma fenêtre tous les matins, toutes les journées, et également tous les soirs, donc, que je vois évoluer depuis bientôt une quinzaine d'années. Donc le site de Saint-Maurice, les gens aiment bien y venir parce qu'en fait c'est assez joli, tout simplement, sans forcément savoir que ça appartient au conservatoire du littoral, ou qu'il y a telle ou telle surface ou qu'on y fait telle ou telle chose. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si ça reste joli, agréable pour venir pique-niquer aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a cette protection-là qui avait été demandée par la population de Clohars-Carnoët à la fin des années 80, puisque le domaine était privé et les propriétaires privés souhaitaient le vendre. Donc on avait des risques d'avoir une hôtellerie, quelque chose qui n'allait pas forcément correspondre à ce que la population attendait d'un site comme celui-ci. Du fait que c'est un domaine très grand qui coûtait très cher à l'époque, il a fallu en fait des intervenants publics pour acheter ça, le conservatoire, et également le conseil général du Finistère qui est intervenu, je crois, pour la moitié de l'acquisition du lieu. Et petit à petit, on a réussi à reconstruire ce qu'on a pu reconstruire, sauver ce qu'on a pu sauver et essayer de conserver cet endroit pour que les gens puissent venir pique-niquer, se promener tranquillement. Alors précédemment, le site de Saint-Maurice appartenait aux gendres d'une comtesse. C'était la famille de Moutier, en fait, qui avait ces biens-là de famille depuis le début du XXe siècle à peu près. Les anciens se souviennent du château de Saint-Maurice dans lequel vivait tous les étés la comtesse de Saint-Maurice dans les années 30, dans les années 40. La guerre est passée par là, des ruines, le château part en fumée, le château est détruit en 1953 pour construire le premier pont de Saint-Maurice civil sur la Laïta. Et petit à petit, ça tombe en ruine, quoi. Quelques fermiers qui sont là, qui entretiennent les bâtiments, les fermes, l'ancienne orangerie. Mais c'est vrai que globalement, tout tombe en ruine. Alors, sur la Laïta et les ponts, parce que Saint-Maurice en fait se trouve entre deux ponts. Je viens de parler du pont de 1953 qui a été inauguré par François Mitterrand à l'époque, il était ministre. Il a été construit en partie avec des pierres de l'ancienne abbaye de Saint-Maurice et de l'ancien château. Et le premier pont, lui, était un pont stratégique construit par les Allemands, par l'organisation Todt. Il est pas loin d'ici, puisqu'il se trouvait juste là, à côté de l'île de Saint-Maurice. On voit les poteaux qui sortent encore de la vase derrière cette île de Saint-Maurice ou l'île aux vaches. Ce pont-là n'était évidemment pas autorisé pour le public. Il a été coupé par les Allemands dans leur retraite. Et ensuite, les gens ont récupéré le bois, tout simplement. Donc, à quoi échapper Saint-Maurice? Finalement, ce pont aurait été conservé à cet endroit-là. La belle balade sur la digue de Saint-Maurice aurait été probablement une route départementale pour aller jusqu'à Clohars. Parce que les Allemands passaient par là et pour faire passer leurs lourds véhicules, ils ont dû même élargir le petit pont de Saint-Maurice, près de l'étang, la chaussée, etc. Donc, c'est ainsi qu'a failli être défiguré à de nombreuses reprises. Alors, ça fait quoi de vivre à côté d'une rivière, surtout celle-là depuis des années? Ça fait très drôle au début parce qu'on se retrouve avec sa famille dans une maison qui est très belle, qui a été construite au XVIIIe siècle et que tout le monde regarde. Et quand on rentre chez soi, ça fait drôle parce que les gens vous regardent, qu'est-ce qu'il fait celui-là avec sa voiture, etc. Donc en fait, on s'y fait assez rapidement. La chose que moi j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à prendre énormément de photos. J'ouvrais la fenêtre le matin, c'était pas pareil que la veille. Parce que la mer, la marée était pas au même niveau, parce qu'il y a la brume, parce qu'ici le soleil se lève derrière les résineux là, de chez la princesse de Polignac. Donc c'est jamais pareil, donc on prend plein de photos, on regarde si la vase elle a changé de place, etc. On n'arrête pas de regarder en fait au début, et puis après on fait trop attention aux gens.
Et dès qu'on a des gens qui viennent nous voir, même à la maison, ils disent ouais, c'est super et tout, t'as de la chance. T'as vraiment une belle vue et ça, on s'en lasse pas et on en est conscient, même avec le temps qui passe. L'émission des conservateurs du littoral sur cet endroit, c'est. Il est propriétaire déjà. Donc c'est de savoir en gros ce qui s'y fait et de nous orienter sur ce qu'on doit y faire. Quand je dis nous orienter, c'est nous, la commune de Clohard, pour savoir comment on va ouvrir le site, est-ce qu'on va ouvrir et où est-ce qu'on doit intervenir, au niveau des arbres, au niveau des bâtiments, au niveau de la partie boisée. Le conservatoire a une aide, un rôle d'aide à la gestion en fait, dès qu'on a des choses un petit peu importantes à faire, puisqu'on est au niveau du parc sur un endroit qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc on peut pas faire ce qu'on veut au niveau des bâtiments, au niveau des arbres du parc non plus, puisqu'ils sont également inscrits. Au niveau du bois de Saint-Maurice, on a un peu plus de 93 hectares de boisement hein, qui est sous le régime forestier, donc là c'est pareil. On ne fait pas ce qu'on veut. Actuellement, on a une belle étude là, qui s'est terminée, qui s'appelle l'aménagement forestier, et qui va nous permettre, au niveau du bois de Saint-Maurice, de savoir ce qu'on fait durant les 15 prochaines années. Et c'est renouvelable encore, 15 ans. Donc on a un patrimoine naturel, on a un patrimoine paysager, avec des avantages, avec des inconvénients, il y a eu des erreurs de fait par le passé. Et nous, on essaye de faire en sorte que les générations futures puissent profiter de cet endroit-là, et que nous, à l'intérieur, dans l'intimité du lieu, on fasse en sorte qu'on favorise ce qu'on appelle la biodiversité. Ça, tout le monde le remarque peut-être pas, mais c'est un travail de longue haleine, de modifier certains aspects du paysage, de la végétation, pour répondre à l'émission qu'on nous demande, que l'État nous demande, de l'Europe. Alors, sur un site comme ça, pour ce qui est de la faune, oui, on fait des choses. Pour conserver une espèce animale, il faut conserver son milieu. Ici, il y a deux espèces emblématiques. Une qui est une espèce de chauve-souris qui s'appelle le grand rhinolophe, qui d'ailleurs est bien présente sur les rives de la Laïta, puisqu'on retrouve beaucoup d'individus sur Quimperlé, pas loin de la Laïta, pas loin de l'Ainé. Ici, la colonie est également présente. Depuis 1999, on s'efforce de préserver du mieux qu'on peut cette colonie-là, de la faire connaître aux gens pour que les gens eux-mêmes protègent les chauves-souris, puisque c'est ça. Donc, on est intervenu sur un milieu plutôt artificiel pour les chauves-souris puisqu'il s'agit d'un bâtiment. Il y a d'autres espèces également emblématiques. Depuis 1999, même avant, la loutre est présente sur la Laïta. Bon, maintenant, il n'y a pas de souci, l'animal est présent ici. Mais on a constaté apparemment une naissance il y a quelques années dans le secteur ici, puisqu'on a vu des empreintes de jeunes. Ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que, exemple sur la loutre, en 1999, il y a certains sentiers de randonnée qui étaient ouverts. C'est bien, mais les gens viennent à pied, ok, il y a le chien, ensuite il y a le vélo, ensuite il y a le cheval. Et quand on est en présence d'animaux qui sont rares, qui sont protégés, qui sont extrêmement farouches et nocturnes, très difficiles à voir, bah, rien qu'une fréquentation comme ça, ça dérange. Ça les écarte. Ouais. Donc on fait en sorte que sur les 90 000 personnes qui viennent à Saint-Maurice, on ait moins de 0,5% qui aillent sur ce secteur-là, c'est-à-dire que ce sont des sentiers qu'on ne ferme pas, mais qu'on laisse, qu'on ne flèche pas. Les gens ne savent pas qu'il y a ça à cet endroit-là, je ne vous dirai pas où c'est. Et ce qui fait que bah, petit à petit, la faune, elle reprend possession du lieu. La loutre est un animal rare, moi ça fait 15 ans que je la cherche et je l'ai vu deux fois en vrai de mes yeux ici. C'est pas spécialement facile. Après pour les autres animaux, insectes, etc., bah, on essaie dans le parc d'avoir un maximum de floraison sauvage pour favoriser les insectes, les fleurs, etc. Pour ce qui est du parc de Saint-Maurice, on explique ça aussi aux gens, pour que les gens aussi fassent ça chez eux, que finalement un gazon tondu toutes les semaines, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la faune. Donc, alors sur les pollutions à Saint-Maurice, moi j'en vois pas. Les pollutions c'est quoi? C'est les papiers par terre, mais comme le site on fait en sorte qu'il soit toujours propre, en fait il n'y en a pas. Quand il y a des macro-déchets qui sont sur le bord, sur la rive, on les nettoie. Après, s'il y a de la pollution dans l'eau de la Laïta, moi je la vois pas. Je ne suis pas qualifié pour dire s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Alors c'est vrai qu'à certains moments il y a de la mousse sur la Laïta. La mer descend. L'eau descend, la vase se ressuit, donc l'eau part, l'air remplace l'eau dans la vase. Quand la mer monte,
cette vase-là, elle est pleine d'air. Elle fait plein de petites bulles. Ces petites bulles-là, elles emportent beaucoup de matière avec elles, des protéines issues de la décomposition des plantes, etc. Donc si on voit de la mousse sur la laïta, à la voir comme ça, il n'y a rien qui dit que c'est de la pollution. C'est comme l'écume au bord de la mer, finalement. C'est une espèce, sur l'eau, il y a toujours des petits films bactériens, et puis là, ça se concentre parce qu'il y a ces bulles qui arrivent en dessous. C'est vrai que ça ne fait pas propre quand on est avec sa pagaie au milieu de tout ça, mais si vous regardez, c'est juste qu'à un certain endroit de la laïta, oui, et si on regarde bien la mer monter, on voit que ça se forme effectivement quand la vase se remplit d'eau et l'air ressort. C'est de la vie, tout simplement. Et puis, quand l'air il sort de la vase, il oxygène l'eau, ce qui est intéressant pour les poissons, les bivalves et tous les animaux qui vivent dedans. Sur la laïta, au niveau de Saint-Maurice, il y a des détails qu'on remarque presque pas. En amont de l'île de Saint-Maurice, il y a des poteaux alignés. Alors, suivant les années, on les voit bien ou pas bien. C'est des poteaux en chêne. Là, 2013, on les voit pas bien du tout. Il y en a que 4 ou 5 qui sont sortis. Et ça témoigne de la navigation de la laïta à cet endroit, puisque les gens avaient planté ces poteaux de chêne. Et entre chaque poteau, ils avaient fait des fascines, donc avec soit du châtaignier ou soit du noisetier. Ça avait pour but de réduire le lit de la laïta, et que durant le jusant, la marée descendante, en fait, ça faisait une chasse, et ça chassait le sable. Pourquoi ? Parce que Vacquimperlé était port très important, et que les bateaux qui avaient un certain tonnage devaient pouvoir passer sans s'échouer. Donc c'est des choses qui se faisaient avant les sableurs. C'est un système mécanique, tout simplement, pour chasser l'eau. C'est quelle période, ça ? On ne sait pas de quand ça date. Moi, j'ai ce témoignage-là d'une personne qui est arrivée enfant ici, habitée à Saint-Maurice en 1938, et qui m'a dit que ça existait à l'époque et c'était déjà en ruine. Vous travaillez pour la commune ? Oui, c'est vrai, la commune. D'accord. Et sur des terrains nus. Est-ce que le conservatoire n'a pas ses propres salariés ? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de gérer ses terrains. C'est-à-dire que le conservatoire, c'est une loi qui date de 1975. Protéger le littoral, et déjà à l'époque ils se sont dit c'est pas un établissement comme ça qui va pouvoir gérer 1500 km de côte avec son propre personnel. Et ils se sont dit aussi à l'époque il faut surtout pas qu'on enlève le patrimoine local aux gens du coin, du cru, locaux. Donc c'est bien que ce soit les gens, soit les associations à l'époque ou les communes qui gèrent ces territoires-là et qui recrutent le personnel. Et finalement, que ça soit pas trop centralisé. Et que ça voilà. Aujourd'hui, des gens qui travaillent sur les terrains conservatoires du littoral, on est 900. D'accord. Plus les 130 personnes qui sont eux salariés du conservatoire du littoral. Donc ça fait quand même pas mal de monde.